Oh la blague! Ah, je peux pas revenir en arrière? Oh merde! Yo, salut tout le monde, c'est Galedo, on se retrouve aujourd'hui sur Life is Strange pour la suite de l'épisode 3. Allez, c'est parti. Oh my God, what is happening now? Oh, c'est chaud, elle revit les moments quand elle touche la photo. Elle les entend? Someday Dad will get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. T'as la remonté le temps, quoi, c'est ouf. What is this? William is here. And Chloe is just a kid. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old inside my 13-year-old self. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. That's true. So how many eggs? Don't you dare question the chef. You can see the bond between Chloe and her father. And the love. Now this is a photo. I'll let her know that. Chloe is just so damn happy and carefree. And this is the last time, unless I change it. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. I won't. I know I've... Oh, je vais peut-être pouvoir le sauver? Non! Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Hello? Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What a mess we made. What? I remember those cool drawings I did with Chloe. Well, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Chloe was so into manga. Nice hair. Be there shortly. Love you. I have to stop William from taking his car today. Ladies, I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Keys, please. My family never took fun, goofy photos like this. Oh yeah, I miss movie nights here. Cookies and popcorn. Aha! You can't hide from me for a... Ah ok, d'accord, j'ai compris. Score! Allez, c'est parti.
Hello? I know they never took that big vacation. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. Bon, les clés sont cachées, mais est-ce que ça suffira? Est-ce qu'on peut le sauver? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub. Joyce loves William so much. Bonne chance, mon chou. Tu as bien mérité 2 semaines de gaufres au Two Whales à domicile. Rien que pour toi. Ta petite femme qui t'aime. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? Tu les trouveras pas. You mean your college fund? Tu ne les trouveras pas. J'aurais peut-être pu débrancher le téléphone. Ah, je peux pas aller plus loin. It's all blurry here. Like I can't step out of the photographic bounds. Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. I knew this thing would come in handy. How the hell did my keys end up here? Oh la blague. Ah, je peux pas revenir en arrière. Oh merde. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Ah si, je peux revenir là maintenant. Oh, attends, je serais d'avis de... Ouais, je vais remonter tellement loin. Allez hop. De toute façon, là j'ai les clés, on s'en fout. Non, 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 non. On remonte le plus loin possible. Allez, je m'en branle. Allez, oui, la photo est prise. Oui, la photo est superbe. La photo est géniale. Est-ce que je peux débrancher le téléphone? Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Now I can warn Joyce. Fourre-tout. Je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut faire. Est-ce que je peux rebrancher le... Putain, non, j'aurais pas dû faire ça. Putain, mais quel con. Est-ce que je peux appeler Joyce? Déjà, ce serait ça la question. Ouais, oui, c'est bon, c'est passé. Voilà, est-ce que je peux... Voilà, appeler le dîner. Hello. Hi, could I please talk to Joyce Bryce? Oh, she left? Damn. Are you sure? Okay, sorry. Thanks. Qui c'est qui a appelé alors? C'est déjà parti? Here. Bon, débranche quand même ça. I am when your mom is away. Boom. Disconnected. I'll let her know that. Cacher les clés. Regardez, je peux pas les cacher autre part. Bah dans l'eau, voilà, nickel. Dans l'eau, ça sonnera plus. Hein. C'est moi qui te le dis. Tiens! Tu vas rester gentiment à la maison. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Énorme. Est-ce que j'ai sauvé? Non, c'est utopique. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Quoi? Excellent! Oh, mais du coup, là, j'ai changé toute l'histoire. Hein.
Ouais, ça n'a jamais existé. Excellent. Excellent. Hello, are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was Max. Wet and cold every day. But never, like Maxine. So that's why she was laughing so much. I know, sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? No, it's people in Oregon. Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Nobody listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh la vache, j'ai tout changé. Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Excellent. Baleine qui s'est échouée. Deux baleines qui sont échouées. Oh, c'est chaud. Trois. Oh la vache. À l'échec Chloé, non? Ah, c'est lui qui va ouvrir la porte. T'es obligé. T'es obligé. Je suis sauvé, c'est obligé. Oh, la blague! Taking a break after taking Seattle by storm. You thought we'd never see it again after you left for the big city. No. I never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe! You have a visitor! Oh, la blague! Comme quoi, il ne faut jamais changer le passé, les enfants. Putain, j'ai l'impression d'avoir Doc et Marty, quoi. C'est un truc de ouf! C'est un truc de ouf!
C'est trop un truc de ouf. J'arrive à sauver son père, je suis trop content. Et du coup, c'est une répercussion sur elle. Putain, c'est ouf. Ah, je m'attendais trop pas à ça, mais un truc de dingue. Oh la vache. Oh la vache. Why? Why, why, why? Mais il lui est arrivé quoi, Chloé? C'est un truc de dingue. Bon, à mon avis, il lui a acheté une voiture. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Il lui a acheté une voiture. À mon avis, c'est crash avec, quoi. Fallait que quelqu'un dans la famille se crash en voiture. C'était pas le père, parce que j'ai sauvé. Bah, c'était elle, quoi. Oh, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Et l'autre vétéran qui devient conducteur du bus scolaire. C'est énorme. C'est énorme. Oh la vache. Mais sérieux quoi. Putain, Chloé c'est... Chloé c'est un légume. Tu vois. Chloé c'est un peu comme une courgette maintenant. Tu vois, tu la poses, c'est pareil. C'est un truc de ouf. On rigole comme ça, mais bon, c'est bon les légumes aussi. Hein. Non mais là c'est ouf, franchement. Ah oh putain, je raconte de la merde, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Mais à chaque fois, je m'attends pas à ça, c'est chiant. Kate, dans l'épisode 2, je voulais la sauver, j'ai pas réussi. Ça m'a saoulé. Et là, Chloé, mais c'est un truc de dingue. Donc à mon avis, il y a vraiment plusieurs fins dans le jeu, ça dépend ce que tu fais. Là par contre, Chloé, ça me fait chier. Autant Kate, elle est morte, ok. Ok, ça m'a fait chier, mais voilà. Mais là, Chloé, quand même... Ah, Chloé, ça me fait chier. Mais est-ce que j'étais obligé de réussir le passage du père? Est-ce que j'étais obligé de le sauver? Est-ce que ça c'est voulu? Ça fait partie du scénario? C'est ça aussi. Et du coup, quand on joue à ce jeu-là, on se pose plein de questions. Est-ce que si j'ai fait autrement, bah, ça serait passé différemment? On sait pas. Hein, par exemple, quand je donne deux répliques différentes à une personne et qu'elle me sort exactement bah, la même chose, on se pose quand même pas mal de questions. Mais là, est-ce que j'étais obligé de sauver le père de Chloé? Est-ce que Chloé était obligée d'être une carotte? Tu vois, c'est des questions existentielles comme ça. Là, j'ai hâte de tester les autres épisodes et de les faire, quoi, parce que... Pour savoir ce qu'il en est, quand même. Savoir ce qu'il en est, avoir les réponses. Très important, existentiel. Enfin bon, ça, de toute façon, on le verra au prochain épisode. Et voilà, on arrive au résultat final. Alors, vous avez volé l'argent. Oh, il y a pas mal de kleptomanes, hein, quand même. Hein. Vous avez laissé l'argent. Moi, je suis quelqu'un de gentil. Hein. Je prends pas l'argent des handicapés. Alors, vous avez embrassé Chloé. Ah, bah, 77% de pervers, quand même. Hein. Bravo. Vous avez pris parti pour Chloé, 82%. Ouais, ça, c'était un petit peu normal. Elle m'aurait fait la gueule, sinon je la connais. Vous avez pas laissé le chien de Franck être blessé. Ouais, d'ailleurs, ça aurait été marrant de balancer l'os sur la route. J'ai hésité à un moment donné, et je me suis dit non. Ça aurait fait paf le chien, comme on dit. Alors, Chloé a le pistolet de David, 67%. Ouais, bah heureusement d'ailleurs. Hein. Ensuite, Lisa est morte. C'est qui Lisa? Je sais même pas qui c'est, Lisa. Lisa est morte. C'est qui, Lisa? Je sais même plus. Bon, 59%. Ça, je me sens pas seul. Vous n'avez pas aidé Warren pour son examen. 68%. Ah, je pouvais l'aider! Ah ouais, bah, j'ai pas été. J'ai pas fouillé un petit peu partout. J'ai pas vraiment fouillé partout non plus, hein. Vous êtes sur la liste de la fête Vortex Club? Ouais, ok. Non, j'aurais pu effacer mon nom. Ouais, non, j'aurais bien ce que ça donne. Vous n'avez pas changé la liste des invités de Vortex. Ok, vous avez effacé, d'accord. Vous n'avez pas effacé le message du flic. Il y a un message du flic. Ok. Vous avez aidé Alissa. Ouais, logique, hein, je suis gentil. Vous avez prévenu la SDF. Oh, les enfoirés, il y en a plein qui la préviennent pas, quoi. Oh là là. Bah après, les réponses que je fournis, les choix que je fais, c'est à double tranchant. Hein. Soit je m'en prends plein la tête...
soit ça passe. Soit ça passe, soit ça casse. Alors, vous avez pris une photo dans le passé, oui. Et vous n'avez pas laissé de dessin sur la cheminée. Bah si, je l'ai laissé. Ah, mais je suis revenu en arrière, c'est peut-être pour ça. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Bon, bah écoutez, voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Je vous dis à la prochaine pour la suite, à savoir l'épisode 4. Sur ce, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao.